Wesh la famille, j'espère que vous allez Salut. bien. Ici Abby et son équipe. TDMRS, tu connais déjà. Yo for real, Laura Fonseca. Pourquoi Fonseca? Mais t'as oublié Ah c'est qui? ouais, T'as c'est oublié de Django Paris, wesh. dans la maison. Oh, bref, aujourd'hui, petit thème. J'espère que vous allez bien, la Abby Family. Là, on va essayer de tester les gens qui sont ici. D'accord? Je vais vous tester, vous les garçons, et je vais tester Laura. On va essayer de voir si vous êtes des mecs bien et voir si t'es une meuf bien. T'es une meuf bien? Oui. T'es sûr? Ouais. Vous êtes des mecs bien, vous? Oui. Bah oui, Vous mon êtes gars. sûr? Bah oui. D'accord, ok. Donc là, ça va être Et simple. toi, Je t'es vais mec vous. bien? Moi, je suis présentateur, je vais pas répondre aux questions. Oh! Pourquoi, Moi, je wesh? réponds pas, c'est moi qui pose les questions. Moi, juste, tu vois. Moi, je vais vous exposer plusieurs situations. D'accord? À partir de là, vous allez me donner une réponse. Il n'y a pas forcément de bonne réponse, mais je vais juger par rapport à vos réponses si vous êtes une meuf ou un mec bien. À partir de quels critères, alors, tu peux te. Les critères de la vie. Mais ouais. Non mais après c'est voilà, par rapport à lui après, genre. non, pas forcément par rapport à moi, vous êtes quand même quelqu'un d'objectif, donc vas-y, vous inquiétez pas. Si à un moment donné ça vous plaît pas, vous allez me dire Joey, t'abuses. C'est bon ou pas? D'accord? Même vous, le public, pouvez me dire si j'abuse. D'accord. Donc là, on va faire comme d'hab, on part dans 3, 2, 1, back to back. On va commencer par les femmes, parce qu'on dit toujours honneur aux dames. D'accord? Donc vous aussi, vous pouvez répondre à ces situations. Alors, il a dit quoi? Laura, on commence. Question pour un joueur. Vous connaissez cette chanson? C'est qui veut gagner des millions? Toi, t'es une meuf bien, toi! C'est pas ça! Si, ah, si. La musique. Bah, après, t'as fait. Ting, 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 ting. Mais c'est comme toujours quand on joue au badge. Laura, je suis mal fait, je suis pas fou. Tu es au restaurant. D'accord. Avec ton mec. Ok. Arrive le moment de payer. La carte de ton mec passe pas. Ouais. Que fais-tu? Je paye. Il n'y a pas d'argent. Déjà, pourquoi j'ai fait ça? Pas d'argent, Il doit pas de être dit déjà. Pas d'argent, non, pas de c'est mec. putain. T'as vraiment pas ce que là. Attends, c'est-à-dire que ce n'est pas ton mec. C'est un date. Première fois que tu le vois. Sa carte passe pas. Moi, je paye aussi, c'est pas grave. Ok, très bien. C'est la réponse. Ok. Non, non, mais y'a pas de soucis. On commence tranquillement. Après, on ira crescendo. Ouais, tu marches avec ta meuf. Ça commence à. Vous allez au restaurant. D'accord. Vous allez passer la porte du restaurant. Que faites-vous? J'ouvre la porte. Oh non, elle sait que c'est des victoires parce qu'elle a vu dans le froid. Tu quoi? Elle a la tête d'un coup. T'as marre, t'arrives au restaurant de ta meuf? Ouais, mais j'ouvre toujours la porte. Ouais, j'ouvre la porte. Oh, ouais, passe bébé. J'ouvre la porte. Non, j'abuse pas. Moi, j'ouvre toujours la porte. J'ouvre la porte. D'accord, ok. Parce que tu sais pas que nous on fait. Jean Clemet, non? Bon, on parle pas de moi. T'as vu les critères? On parle pas de moi aujourd'hui, on parle de vous, les gars. Donc, 2h du matin, vous travaillez le lendemain. Votre meuf vous appelle, elle allait à une soirée que vous vouliez pas particulièrement qu'elle y aille. Vous étiez pas concordant, mais elle est quand même allée. On n'empêche personne d'aller où elle veut, tu vois. Elle peut pas rentrer, mais elle veut que vous la récupérez. Tu vas chercher direct. Du PM Uber. J'habite trop loin. Le temps que je viens, le temps qu'elle prenne Uber. Bah oui. Dans la situation. Dans sa situation à lui, j'avoue que. En plus, j'ai déjà fait. J'ai PM Uber. Ok, tu peux pas prendre de Uber. Mais bon, faisais-le. Le temps que je viens, c'est pas. Bonne chance, ma gueule! Vas-y, bonne chance! Non! Non! Non, mais pour moi, dans ma situation, c'est... je peux pas venir! Non, mais attendez, le truc aussi, faut comprendre. Non, mais même si t'habitais, on va dire, je vais pas dire à côté, mais vas-y, t'étais dans la zone, tu vois ce que je veux dire? Faut aussi comprendre que, vas-y, à la base, la meuf, elle est partie la chercher dans ce cas-là. Plan où tu voulais pas forcément qu'elle y aille. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Genre, donc, si au final, tu dis non, tu vas pas la récupérer, je pense que t'es dans ton droit. Donc, je pense qu'on ne peut pas blâmer Teddy du fait qu'il ne va pas la récupérer. Mais c'est par rapport à ma distance. Arrête, si je suis dans la zone, oui, je vais la récupérer. Je veux dire, cher, bien fait. Tu vas récupérer. Oui, bah oui, d'accord, ok. Moi, si je suis vraiment dans ma situation, je suis chez moi, bonjour. 13 ans de matin, je dors déjà en plus. Pas de soucis. Deux points. En mode, c'est pas dérangeant, tu connais des. C'est bon, c'est bon, c'est direct. Je pose la même question à Laura. Elle a pas de permis. Pas de voiture. J'ai une voiture, tu veux quoi? Alors. Je sais pas comment on va faire cette vidéo parce que là, dès qu'il arrive le tour de Laura, il y a des mecs ici, ils sont dans une ambiance totale. Attends, il dit, vas-y, tu peux rentrer, il te demande de venir la récupérer, tu vas ou pas? Ouais, bonne chance, salut. Ah, tu vas pas le récupérer? Jamais. Il est parti dans une soirée, genre je voulais pas qu'il aille, il est quand même allé. Mais tu peux interdire à. Et puis il a pas d'amis? C'est toi qui veux. Genre il est bourré, tout ça. Il veut que non, s'il me dit s'il te plaît, bébé. Boulot, à la kekra, à la kekra sec. Non. Laura, tu rentres du boulot. K.O. Elle est au chômage. Moi, je travaille pour pas longtemps, ma caisse. Oh!
Comment on va faire cette vidéo? Je peux pas. Bonne réplique à chaque fois. À l'image que j'ai maintenant. Tu rentres du boulot. T'es KO. Exténué. D'accord. Ton mec aussi. Mais il a énormément faim. Que fais-tu? Il sait pas savoir manger. C'est sa réponse? Ouais. Bruh. Les garçons, on passe. Ça, c'est à moins un. Hein. D'accord. Merci. Je comprends pas. Bref, ok, on passe. Alors, vous passez devant un magasin avec votre copine. Elle kiffe sur un objet. Vous rentrez à la maison. Vous faites quoi? Je ne vous demande pas la réponse que vous devriez dire. Je vous demande la réponse qu'est-ce que vous feriez. Ouais, c'est elle qui vraiment. C'est pas forcément un gros kiff, mais tu connais. Genre, c'est un petit gadget, un petit truc. Voilà, ouais, tu connais, elle aurait voulu l'acheter. Ah, moi, je peux lui prendre. Là. Moi, franchement. Je peux lui faire la surprise, je l'achète. Ouais. Et puis, pas directement dans la semaine ou en deux, mais je sais que je le garde en stock. Tu gardes en stock et tu sais que moi aussi, je fais un petit panier, genre. Un petit panier. Un petit panier, je le garde sur le teco. Un jour, elle va rentrer, elle va le trouver, tu connais. Vraiment, si rentre, c'est un petit coup de cœur. C'est mignon, hein. Ouais. Moi, je pense pas qu'ils auraient dit ça. Moi, je pensais dire, bah, bon chance, genre, tu vois, t'as dit. Bon chance. Ils ont vécu, tu connais, un canard dans ma relation. Très bien. On va revenir à l'argument derrière, là. Ah ouais, frère. Vous vous baladez dans un magasin. D'accord. Ton mec, il croise son ex. Ou son ex croise ton mec. Mm-hmm. D'accord. Et elle vient discuter avec lui. Mm-hmm. Tu fais quoi? Bah, je dis bonjour à la meuf. ça dépend de quoi il se parle, tu vois. Si genre en mode ça va, tu deviens quoi et tout, tranquille, c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas. Ça te dérange pas? Non. Moi, je te parle d'une vraie discussion. Ça se trouve, c'est en train de faire le magasin. Maintenant, elle reste, elle vous suit, tu vois. En même temps, tac, ça va à la caisse. Ouais, tu sais, on va te voir, mais t'es encore là. Hugo. Devant, je vais pas faire de scandale. Je vais pas faire du cinéma en mode, tu vois, bon, tu fais quoi? J'apprécie la réponse. J'apprécie. Comportement. Voilà, comportement. Très, très bien. Vu que tu sur une bonne lancée, on va rester ici. On va rester sur la fin. Là, tu vois, une bolosse. RDV avec ton mec. Ouais. D'habitude, il vient te chercher en voiture. Ouais. Cette fois, il a la flemme de conduire. Okay. Donc, il te propose que vous rejoigniez en transport. Ouais. Est-ce que ça te convient? Bien sûr. Je prends tout le temps les transports. Mais t'as pas de voiture. Si, je suis habitué. Le mec aussi, on parle dans un code. Non, moi, je suis habitué, tranquille, ça me dérange pas. Tu te plains pas? Bah, non. Non, parce que moi, j'en connais une. Plus que ça. Pas par rapport à moi. Il se plonge. D'accord. Et c'est plein, genre. Moi, le gros, non. Je sais pas prendre les transports, moi. Tu m'as vu? Ouais, mais ça, c'est des comportements de princesse. Elle remonte dans les estimes. Pas mal. Alors, les mecs, à vous. Votre copine, elle s'embrouille dans un magasin. Vous ne connaissez pas la raison. Hein? Déjà là. Je les imagine de ouf. Vous connaissez pas la raison, mais il s'avère que, bah, apparemment, elle est en tort. D'accord? Et je suis là. Tu viens d'arriver. En gros, je sais pas, t'étais parti faire un truc, paf, tu reviens, tu joues gros son. Sauf que ta copine, maintenant, il s'avère qu'elle est en tort. Vas-y, on y va. Ouais. À un moment donné, Alix s'est énervée. De ouf! D'accord. T'as beau lui dire ce que tu veux, elle voulait pas se calmer. Elle continue de crier. Mais attends, dans cette situation, tu fais quoi? Tu peux pas lui dire, viens, on part en kill, tu fais quoi? Mais je la laisse, moi je pars. Quoi? Ah non, les gars, moi je suis pas d'accord. Moi je pense que. Elle veut pas écouter. Moi j'essaie de la raisonner. En mode. Non, mais déjà, moi, ma mère, c'est pas une hystérique, ça sera pas une hystérique. Donc... Vas-y, arrête de faire du boucan, gros. Et lui là, il est trop strict. Et t'es dit archimède. Moi, tu fais quoi là? Le truc, c'est quoi? Arrête de parler. Écoute, en plus, ça influe. Allez, qu'est-ce que c'est? Le truc, c'est quoi? Insupportable. Le truc que les meufs n'aiment pas, j'ai pas donné mon avis à moi, mais vas-y, en général, le truc que les meufs n'aiment pas, c'est que tu n'ailles pas dans leur sens. Oh. Elle trouve que dans ce genre de situation, tu devrais être avec elle. T'inquiète, et après, à la maison, tu lui dis comme quoi. Ouais, tu vois. Non, genre, en gros, ça se passe genre parce que. Attends, tu avec moi, elle va pas se comporter. Moi, justement, j'aime pas les histoires. C'est-à-dire que moi, je vais lui dire, écoute, viens, on y va. Ça sert à rien de crier devant les gens, tout ça. Je comprends bien. Mais je suis désolé, les gars, là, je peux pas vous donner le point.
Mais toi, tu vas faire. Toi, tu fais quoi, toi? Moi, je pense, moi, je pense que la meilleure solution. Parce qu'il y a des meufs, on peut pas les arrêter. Donc, moi, je pense que la meilleure solution pour l'instant, c'est d'être avec ta copine, de la soutenir, mais de, dans le sens où il faut essayer de calmer les choses. Pas essayer de vouloir partir direct. Essayer de calmer les choses, parler, nanana. Après, arriver à la maison, là, tu lui dis, ma gueule, gros. Ah, t'as aimé ta meuf, hein. Parce que moi, je sais. Ah, bien sûr, maintenant, je vous ai donné un cas précis. Qu'est-ce qu'il est arrivé là, lui? Il est monté. Les garçons, on va rester sur vous un peu, d'accord? Vous n'aimez pas le téléphone. Quand je n'aime pas le téléphone, c'est vous n'aimez pas quand vous appelle. D'accord? Absolument pas. Mais. Pour qui? Pour toi. Non, mais moi je réponds pas, t'as vu, tu connais. Mais votre copine, elle vous appelle souvent. Que faites-vous? Je dirais de m'appeler. Putain. On se parle par message, WhatsApp, Snapchat, Instagram. T'es dit, Mosso. Elle vous boug. Même c'est parler par mail, mais tu peux pas. I am dead, I am dead. On peut même se parler par mail. Gros, tu peux pas m'appeler tout le temps, gros. Ok, une fois, vas-y, de temps en temps. Ouais. Une fois de temps en temps, mais arrête tous les jours. Mais genre le soir. Mais tu sais que vas-y. Maintenant, faut savoir que vas-y, elle aime trop ça. Genre, c'est ça son, sa prérogative. Genre, elle aime trop, genre. Mmh. Tu vois. Non, ah non. Mmh. Ah, est-ce que toi, tu fais l'effort? Moi, c'est un truc que j'aime pas. Moi non plus. Je préfère quand c'est moi qui appelle. Je fais toujours un truc. C'est-à-dire que tu vas m'appeler, tu vas me déranger et je vais pas te concentrer à te parler, genre. Tu connais, par exemple, tu regardes un manga ou tu vas l'appeler. T'es pas concentré quand quelqu'un te parle au téléphone. Non, tu peux pas trouver dans la journée. Allez, ne serait-ce peut-être 30 minutes, peut-être une heure pour parler tous les jours. 30 minutes tous les jours. Pas forcément tous les jours, mais vas-y. Bon, 30 minutes tous les jours, c'est pas possible. Souvent. Genre, tac, vous appelez, c'est votre moment à vous. Non, vous n'êtes pas forcément parlé de ouf entre SMS. Je pense que. Ouais. Allez, de temps en genre, temps. Je peux lui accorder quelques minutes. Rarement. Par exemple, je suis dans la voiture, je vais au taf, je l'appelle, je dis vas-y, j'aurai pas trop le temps dans la journée. Voilà. Sinon, à midi, je dis, je suis en pause, tout ça. Non, non, c'est ta matinée. Il va au taf, tu vois, comme il a dit. Il va au taf. Il y a même dans ce moment-là, là, qu'est-ce qu'elle a d'important à lui dire, qu'elle peut lui dire par message, genre. Et bah. Parce qu'il va, et c'est matin, il va au taf. Non, mais tu t'as bien dormi, t'as fait des beaux rêves. Non, mais tu le vois par message, ouais. Moi. Toi, ça, tu l'as dit quoi déjà? Moi. Non, mais moi, il a dit quoi? Moi, je peux pas. Il a dit quoi? Il a dit, tu peux me dire ça par SMS. Non, mais gros, je laisse. Moi, je pense qu'on ne peut pas leur accorder ce point, encore une fois. Parce que moi, je pense qu'on sent que ce mec bien, parce que moi, personnellement, par expérience, ça m'est déjà arrivé. Et je l'ai fait l'effort. Genre, je l'ai dit. Ouais. Mais sinon, plus vas-y, je vais répondre. Parce que je sais qu'elle en a besoin, c'est pas grave. C'est ça, tu sacrifies un petit peu. Si t'es un mec bien, c'est pas en mode ouais, non, non, gros, ma gueule. Oh, c'est ce que j'ai dit. Je fais, non, t'as un mytho, toi, t'as dit, tu lui accordes un peu de temps quand t'es dans la voiture, tu vas au travail. Il a dit, je lui accorde quelques minutes. Quelques minutes. Arrête. Quand j'ai un petit moment, je l'appelle, les gars. Je suis au travail. On lui donne pas le point. J'ai pas. On lui donne pas le point. On donne pas le point. Laura, ton copain est enfermé en prison. Injustement. Ah, ok. Il sort dans 5 ans. Non, même pas, mais non, justement, injustement. Mm-hmm. Tu vois, il sort dans 5 ans. Mm-hmm. Que fais-tu? Moi, je l'attends pas. Mimi. Mais gros, 5 ans? Eh, dans 5 ans, j'ai 29 ans. Mais gros, ouais, il est enfermé injustement, frère. Ouais, mais 5 ans, quand même, c'est long. Ah, mais il s'est fait enfermer quand même. 5 ans, c'est long, mon gars. Fallait pas te faire confier. 5 ans, gros, c'est mais quand je dis injustement, c'est-à-dire qu'il est pas, genre, on lui a mis un truc sur le dos, mais c'était pas lui, genre, et, tu vois. Ouais, mais. T'as vu pas pris quand t'es vu, tu te fais prendre. Ah, vous êtes méchant, vous, hein. Je suis désolé, je te donne pas le point, genre. On connaît, je les meufs, elles vont pas attendre. Moi, je te donne pas le point. Les meufs qui disent qu'elles vont attendre, c'est des flops. Moi, je te donne pas le point. Normalement, c'était une meuf bien la gueule, gros, t'inquiète pas, je t'attendrai à la vie, à la mort. 5 ans. À la muerte. Mais c'est encore la 30 piges, hein. C'est fini, la vérité. Ah, mon gars. Bah oui, mais. C'est ton mec, ça se trouve, c'est la période des enfants. Mais attends, ça sera pas le cas. Ça sera pas le cas, ton pige. J'ai peur de ton enfant. Ah, si j'ai un enfant avec lui, oui, bien sûr que je l'attends, c'est différent. Mais c'est quoi la différence, sachant que ça se trouve dans 5 ans après vous allez être quand tu vas être ensemble et avoir mais j'ai pas ça. D'attache. Genre, je. T'as pas d'attache en... Pas le point. Moi je te donne le point, moi. Trop méchant. Moi, non, pas le point. Mais c'est qui le chef? T'es fou ou quoi? Donne pas le point. T'es fou ou quoi, gros? Ça se trouve, c'est ton mec, tu vas finir ta vie avec lui. On dit d'attendre 5 ans, tu peux pas attendre 5 ans. Il te donne les 5 ans. Parce qu'après, il va avoir un vieux taf. Gros, c'est parce qu'après, il va avoir un vieux taf. La meuf, elle sera pas contente. Gros, ça fait 24 ans qu'elle est en vie, 25 là maintenant. Elle trouve pas de mec, gros. Donc elle trouve le mec qu'il lui faut, elle dit qu'elle a pas tant de 5 ans. Eh ben si elle le trouve maintenant et qu'il va en prison, c'est encore pire. Ah, ça c'est une bonne question. Ça. Ah, ça je connais, Corneille et Bernie, ce que t'as chanté. J'ai même pas fait ce Là, elle est bien imitée. C'est important. Votre copine, du jour au lendemain, vous dit qu'elle aimerait s'abstiner jusqu'au mariage. Alors qu'il s'avère que bon, bah voilà, ça fait maintenant un petit moment que vous êtes ensemble. Bon, on va se marier.
Le mois prochain. À tout problème, il y a une solution. Il y a une solution. On va l'amener la semaine prochaine, on se passe. C'est bon, c'est carré. Là, c'est une question bah, pour vous deux, d'accord. Pour le mec et meuf, d'accord. Vous apprenez que votre copain-copine, après 2 mois de relation, ça fait 2 mois que vous êtes ensemble, allez, je sais pas dire 2 mois, vas-y, un petit moment. Et en gros, vous apprenez que du jour au lendemain, qu'elle a eu plus de 100, elle, ils ont eu plus de 100 relations dans leur vie. 100 relations. 100 relations. 100 relations, hein? Non, coucherie. Ouais, les deux, quoi. T'as pas sa tête. Oui, mais il y a une différence si c'est elle mais qui me le dit ou si c'est des gens qui veulent me le dire. Déjà, quand tu apprends. Des questions la... tu te poses. Bah oui, mais ça se trouve, gros, c'est à un moment donné, la question, c'est pas arrivé. Ah ouais, vas-y, si c'est elle qui me le dit, vas-y, je laisse couler. Un mec, une meuf la connaît, tu dis, ah non, mais non, la dernière fois, elle a fait un jeu, elle avait dit ça. Mais c'est le mec, bien, tranquille, hein. Ouais. Mais vas-y. Je sais pas, en vrai. Moi, je pense que. Si elle me le dit pas. Ouais. Bah. On sait que tu kills, gros. Non, mais je vais lui faire comprendre qu'en gros, c'est pas des choses à cacher, genre. Ah, non. Tu l'aurais dit, toi, du coup. Bah, c'est la conquête. Bah, si elle veut savoir, je lui dis, ma gueule. Non, bien joué, je pense que t'as une petite. Mais c'est peut-être que tu voulais pas savoir, du coup. Bah, je sais pas. Après, ça dépend comment on discute. Ok. Et toi, tu fais quoi, toi? Mais non, mais parce qu'il fait 600 mètres de la meuf, elle doit venir directement lui dire. Non, mais on parle de ça. Normal, genre. Et si. Et genre, si je me pose la question. Que il voulait excuse-moi, vraiment. Pardon. Excusez-moi. Je peux écouter. Non, mais pas de soucis. Genre, en gros, je lui demande comment ça se fait. Mm-hmm. Si c'est parce que c'était lui qui voulait pas ou si c'est parce que ça allait jamais. Parce que bon, je sens quand même, c'est beaucoup. Hein. Mm-hmm. S'il me dit non, c'est parce qu'il voulait pas se poser, bah écoute. S'il veut se poser, c'est bon. Vous êtes des gens bien, hein? Vous êtes des gens bien. Donc à l'époque, ils auraient dit non, moi j'ai. Kill! Je me nachave! Dernière question pour les garçons. Toi, tu me saoules! Franchement, tu me saoules! Ok? Tu me saoules maintenant? Oui, je m'arrête. Du jour au lendemain, vas-y. Votre copine. Il rigole déjà. Non, parce que c'est une blague, lui! Du jour au lendemain, votre copine, elle pue de la gueule. Giovanni. Tu vois, comme ça. Déjà, je vais lui envoyer des petits signaux. Moi, je dirais. Ça sent ici. T'as moussé tes dents pour manger? Des dents, c'est comme ça, genre. Tu vois? Ouais, aussi. Ou sinon, tiens, tu veux pas qu'on change de dentifrice et tout? Gros, dans la vie, il faut être pareil. Voilà. Dans la vie, il faut être. Ah, j'ai acheté un nouveau bain de bouche, tu vois. Des petits bails que tu glisses. Tu vois, reste si elle comprend pas, là, je vais dire, ça t'arrête, la gueule. Ah, ça me blesse. Non, bah, mais oui, mais après, ça, parce que déjà, ça peut les blesser. Donc, toi, je t'attribue le point, pas lui. Non, mais regarde. Pas lui. Gros, dans la vie. Des petits indices pour qu'elle comprenne. En gros, dans la vie, faut être cash avec les gens. Dans la vie, faut être cash. Non, c'est ce que je disais, t'as le point, pas lui. Bon, les gars. À vous de dire si vous aimez les personnes honnêtes ou pas, c'est ça. Il faut être honnête dans la vie. Oui, il faut être honnête. Mais si t'es un mec bien, tu sais comment parler à ta meuf, donc tu sais avoir un minimum de tact. Voilà, mais c'est pas dire les choses, c'est sûr. On a raclé, on vit ensemble. Tu sais, pas dire, gros, il va brosser les dents, non? Gros, va brosser les dents. T'es folle, là. Elle t'est piqué d'une manière. Je pense que j'ai pas fait les comptes, mais là, normalement, quand je vais faire le montage, on va voir les comptes, je crois égalité. Parce que, après, je t'ai dit, t'as eu des petites mauvaises notes quand même. Non, pas des mauvaises notes, c'est juste que vous pensez que c'était une mauvaise note, mais pas du tout. Mais... Mon expérience prouve que ouais, c'est pas ma question. Déjà, juste pour ça, moi, déjà, j'aurais mis moins 1. T'as vu déjà. Vas-y, moins 1. Mais moi, j'ai... Tu parles avec une mec, t'as pas d'expérience. Donc, pour répondre t'es à dit, n'est pas un mec bien. Par une meuf, tu dis, ouais, est-ce que tu vas chercher ton mec, elle aime pas le faire. T'es un mec bien. T'es un mec bien. Eh, je serais une meuf, tu détesterais. Ah, franchement, t'es macho. Eh, t'es... Wow. Je le connaissais, vacances. Il avait un appareil dentaire. Il serrait ses capuches, il faisait du logo. Tu vois. Ça fait 11 ans, on se connaît, 12 ans. 13-14. 12 ans. Ça fait 2 ans qu'on se connaît. C'est bon? Bon, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En résumé, on peut dire que Teddy, je suis désolé, mais n'est pas un mec bien. Dans les commentaires, dites si je suis un mec bien. Johan, t'es un bon gars. Ouais. C'est vraiment un bon gars. J'aime bien. Ça se voit, t'es attentionné de fou. Laura, j'aime bien ta façon de penser. C'est une boulouse. J'aime bien, t'as pas forcément une grande expérience, mais tu réfléchis quand même bien. D'accord. Le seul problème, c'est que quand je t'ai dit, tu rentres du taf. T'es fatigué, ton mec aussi. Tu dis, il va se faire manger lui-même. Normalement, tu connais les meufs comme elles sont, elles se disent, vas-y, je vais faire l'effort. Les meufs comme ça. Avant qu'on voit un petit Uber, un truc comme ça, tu vois. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter.
D'accord. Je vous laisse partager la vidéo aussi si vous avez apprécié. Je vous laisse aussi bah, répondre en commentaire pour voir si bah, vous pensez aussi que. Mes fans, vous me connaissez, vous savez que je suis avec bien. Genre que dans les commentaires, je suis que des bad comme par rapport. Mes beautés. Que des bad comme par rapport. Donc, comme les gars, écoutez. Vous savez que je suis avec bien. On s'attrape. Je fais de gros bisous. Banks to Banks.